Bonjour et bienvenue chez Réalité. Ce matin, vous êtes dans l'agence le Creative Lab de Réalité pour qu'on évoque ensemble un sujet extrêmement important et d'actualité, le sujet de la concertation et de la saisine de la Commission nationale du débat public, ou CNDP. On s'est rencontrés au lancement de la concertation publique le 25 novembre dernier. On vous a annoncé la saisine de la CNDP. Dans la foulée, on a procédé au dépôt de notre dossier le 29 novembre dernier. On a été auditionné hier, le 6 décembre, comme vous l'avez suivi sur les réseaux sociaux. La CNDP, d'ailleurs, nous a rendu sa décision hier après-midi et on a pu annoncer, elle l'a fait d'ailleurs de son côté au travers d'un communiqué de presse, le fait qu'elle ait choisi pour le projet Yellow Park une concertation avec deux garants indépendants et non pas le débat public. Et la CNDP est garant de la qualité et de la sincérité de la concertation. Vous pourriez nous interroger sur le pourquoi de cette saisine. On s'en est déjà expliqué lors du lancement de la concertation publique, mais vous nous aviez parfois interpellé sur la légitimité qui était la nôtre de procéder à une telle concertation. Et on a considéré que la seule manière de répondre à cette question, c'était de s'appuyer sur un tiers indépendant. Et ce tiers indépendant existe au travers de cette commission. La deuxième raison, c'était la notion de projet, c'est-à-dire que la CNDP a développé la notion de projet dans ses ordonnances de 2016 qui rend la saisine de cette commission obligatoire pour le projet Yellow Park à partir du moment où on considère le projet Yellow Park comme un ensemble entre le stade et le projet urbain. C'est une étape importante pour Réalité, c'est une étape importante pour Yellow Park qui démontre la qualité de notre concertation, la sincérité de notre démarche et surtout notre volonté extrême de réussir un projet exemplaire pour tous les acteurs, le club, les supporters, les riverains, la métropole, les associés de Yellow Park. On a tous à gagner par la réussite de ce projet. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.